Hello à tous, bonjour et bienvenue dans le dernier Facebook Live de la journée. Il est 17h, on est en compagnie de Guillaume Biogeot, le directeur PGA France Golf du Vaudreuil, ainsi que le directeur de Altus Performance Europe. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Et avec nous aussi Rebonjour à tous. Benoît. Rebonjour à tous, que Guillaume a déjà été en live aujourd'hui. Et puis Benoît Delcambre, qui est responsable fitting chez Titleist Europe du Sud, qui est donc basé à Chantilly et qui a le centre fitting là-bas où il a l'occasion tous les jours de croiser des dizaines, des centaines de joueurs amateurs qui viennent justement pour se faire fitter et avoir les meilleurs clubs en main quand ils vont jouer sur le parcours. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des balles de golf. La dernière fois, Benoît, on a eu le plaisir de t'avoir et de pouvoir parler justement de l'influence des clubs de golf, et notamment on a parlé du wedging. Et là aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pour moi probablement l'un des sujets les plus sous-estimés au golf, la balle de golf. Et tu sais, la balle de golf, elle est intéressante parce que c'est la seule chose qu'on joue à tous les coups. On change de club sur tous les trous, mais la balle, enfin, sauf si on la perd, mais la balle, c'est quelque chose qu'on utilise systématiquement à chaque fois qu'on reproduit un coup de golf. Et c'est probablement quand je vais dans le sac de mes amateurs de golf, je remarque que, enfin, il y a plein de balles différentes. Et puis, tu vois, il y a quelques mois, j'ai fait une formation avec Titleist et j'ai appris l'influence, l'importance de la balle de golf dans la performance. Et donc, c'est aujourd'hui pour ça, Benoît, qu'on a fait appel à toi. Donc, un énorme merci à toi d'être là avec nous encore une fois ce soir. Merci à vous deux. Bonjour à tous aussi. Et alors oui, comme tu le dis, Lewis, la balle de golf, c'est l'élément qu'on va jouer sur chacun des coups, qu'on ait un driver, un fairset, un wedge, un putter dans les mains. On fait 72 sur un parcours, 65 sur un parcours ou 90. On va faire 90 coups, 65 coups ou 72 coups avec la balle. Donc c'est vraiment un équipement sur lequel on doit porter une attention très importante. Et surtout, c'est un équipement qui doit aussi, comme pour un driver, comme pour les fers, comme pour le wedge, qui doit être important de trouver grâce à un fitting de balle. Ouais. Et si je peux me permettre de rebondir sur ça, c'est que je ne sais pas pour toi, Lewis, mais très souvent, on a des joueurs qui viennent nous voir, qui ont des clubs magnifiques, flambant neufs. C'est Le tout clair. dernier, alors quelle que soit la marque, même si voilà, et ils jouent une balle, et quand on leur parle de balle, ils nous disent oh ben, Ouais. je sais pas ce que j'ai trouvé, ou la balle de mon chien. Enfin, ils n'ont pas cette notion que pour nous, et c'est ce que tu mettais en avant, Lewis, au début de ce live, pour nous, l'élément le plus important, en tout cas pour moi, sans aucune comparaison avec le reste, c'est bien évidemment la balle, et que la balle soit de qualité. Mais en plus de ça, qu'elle soit en bon état, parce que la balle, c'est, je dirais, un produit périssable, en plus du fait de la perte. C'est une balle, ça s'abîme, ça, voilà. Et de temps en temps, je me répète, mais je trouve ça, parce que c'est important de le stipuler, souvent vous qui nous regardez, vous avez des clubs qui sont magnifiques et vous jouez avec, entre guillemets, un peu n'importe quelle balle. Et notre seul objectif aujourd'hui, c'est qu'en sortant de ce live, vous compreniez l'importance d'avoir une bonne balle. Alors, c'est extrêmement vrai tout ce que tu dis, et c'est d'autant plus intéressant de faire le test quand on est en fitting avec les fitters, ou vous êtes enseignant sur le practice ou sur le parcours, de juste ouvrir la poche à balles de nos golfeurs et de juste voir si on a beaucoup de balles différentes, ou si on a juste un modèle, et pour le coup, peut-être que la personne aurait été correctement fitée. Ouais. On va parler de super sujets aujourd'hui à travers ce live, Benoît. Déjà, beaucoup de personnes qui sont connectées et qui sont en train de poser des très bonnes questions. Tu vois, on avait dit avant ce live qu'on allait justement partager à certaines questions. Moi, la question que je me pose, Benoît, c'est premièrement, où est-ce que tu es confiné? Parce que je voudrais avoir les mêmes couleurs que toi. Moi aussi, moi aussi. Parce que je Alors, je regarde suis Guillaume et moi et je confiné me dis, chez mais attends, moi. on n'est Je pas au suis même endroit. confiné chez moi, mais j'ai une terrasse qui est super bien exposée. Du coup, c'est pour ça que je peux travailler, je peux profiter de la terrasse au soleil. Allez, top, top. Allez, on va prendre quelques questions de la part du public. Thomas Pigeot qui dit: Bonjour à tous les trois. Doit-on avoir une balle de golf différente selon les saisons, conditions de parcours, ferme et humide? C'est déjà une bonne question pour entamer le live. C'est Excellent. une très bonne question. Alors, non. Si je prends l'exemple, encore une fois, des meilleurs joueurs au monde,
quelle que soit la saison, quelles que soient les conditions climatiques, quelle que soit la qualité du terrain, la balle entre, je vais prendre, malheureusement, on ne l'a pas vu cette année, le Masters et le British Open, on a deux grands tournois majeurs. Quand on regarde le choix de la balle d'un joueur professionnel, on va avoir exactement les mêmes balles entre ces deux tournois. En revanche, c'est la composition du sac qui va, elle, totalement évoluer. Mais en revanche, quelles que soient les conditions climatiques, les conditions du terrain, il faut vraiment être assidu avec le même modèle de balle et surtout bien choisir son modèle de balle. Ouais. Ok, top. Guillaume, tu as une question ? Ouais. Alors, l'objectif dans ces lives, c'est bien évidemment de pas... Et puis j'insiste là-dessus, de ne pas promouvoir une balle plutôt qu'une autre. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important, comme Frigidaire, la Pro V1 est à elle seule une marque. Depuis maintenant des années, donc on ne va pas faire l'historique des balles chez Titleist, mais on sait qu'avant la Pro V1, c'était la Balata. Et l'évolution de la Balata, c'est la Pro V1. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait ce succès de la Pro V1? Pourquoi est-ce que la Pro V1 est la balle de golf la plus jouée sur la planète? Pour résumer ma question. Alors, tout simplement, Pro V1 et Pro V1X, c'est les balles qui sont les plus performantes chez Titleist. Donc, ça veut dire que quand on parle de performance, quel que soit le niveau du golfeur, quelle que soit sa fréquence de jeu, c'est les deux balles les plus performantes. C'est les balles les plus performantes. Donc, on va partir de ce constat-là. Et après, effectivement, si la personne recherche de la performance, on va pouvoir sélectionner une de ces deux balles. Après, on verra en termes de trajectoire, en termes d'effet, en termes de feeling. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle on produit aussi d'autres modèles de balles, parce que les préférences du golfeur vont intervenir aussi dans le choix de la balle. Et donc, c'est-à-dire le tarif, c'est une chose importante dans la balle du golfeur, le toucher de la balle. Le visuel aussi de la balle avec une couleur spécifique, avec une numérotation spécifique, donc là c'est plus d'ordre esthétique, mais ça compte aussi pour le choix de la balle. Pour revenir à la Pro V1 et la Pro V1X, c'est des balles qui sont validées par les joueurs du tour avant qu'elles soient mises en place sur le marché. Donc on a en général 2 ans de cycle de vie de produit pour un produit Titleist, que ce soit la balle ou les clubs. Nous, en interne, on peut dire qu'on a 4 ans de cycle de vie de produit. On a 2 ans de recherche et développement. Et si c'est un produit qui est joué sur le tour, il est validé en forme de prototype. Et une fois qu'il est validé par les joueurs du tour, on estime que les joueurs du tour, qui sont les joueurs les plus proches et qui permettent de réaliser des coups très, très réguliers, c'est les joueurs les plus proches de la régularité des robots. Donc, on va pouvoir dire qu'une fois que ce produit sera validé, cette balle sera validée, elle est de très bonne qualité, elle est performante et on pourra la lancer sur le marché pour le faire et essayer avec les amateurs. Benoît, j'ai une question là de la part du public qui va rebondir un tout petit peu sur le prochain sujet, pardon, parce qu'on s'adresse aussi aux amateurs de golf qui nous regardent. Tu parlais du fait qu'on testait les balles auprès des meilleurs joueurs au monde pour qu'un peu il y ait une sorte de validation du produit, ce qui est absolument exceptionnel. Mais il y a des golfeurs comme Tiger Cowet je suis pas sûr que c'est son vrai nom, Tiger Cowet qui dit les meilleures balles des pros sont-elles faites pour le golfeur du dimanche? Et derrière, tu as Anne-Marie Nathan qui dit d'autant plus quand vous jouez le samedi. Donc, est-ce que la balle que les joueurs du tour utilisent, est-ce qu'elle est faite pour le joueur amateur qui joue quelques fois par semaine? Alors, oui. Encore une fois, la Pro V1 et la Pro V1X que vous allez acheter dans un magasin, c'est exactement la même balle que les joueurs sur le tour vont pouvoir jouer. C'est exactement la même conception, c'est exactement la même technologie à l'intérieur. Il se trouve que on a des produits qui sont spécifiques pour le tour, mais quand on prend toutes ces personnes, tous ces joueurs du tour qui jouent les balles Titleist, ça représente 75% des joueurs du tour qui jouent exactement la même balle que celle que vous allez pouvoir trouver dans le commerce, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Asie. Donc, on a exactement la même performance que celle qu'on va pouvoir retrouver sur le tour. Je pense que la question dans la question aussi, Benoît, c'était
Est-ce que la balle Pro V1 ou Pro V1X que le joueur du circuit utilise, est-ce qu'elle doit être utilisée par le joueur amateur de tous les jours? Je pense que c'est la question qu'il y avait derrière la question. C'est, voilà, on sait qu'elle est disponible en magasin. C'est évidemment votre marque de fabrique, c'est performant au plus haut niveau. Mais est-ce que l'amateur qui est par exemple 5, 10, 15, 20 d'index, est-ce qu'il y a une balle selon les niveaux? Comment tu vas définir la balle par rapport au niveau du joueur? Ouais, excuse-moi de vous couper, mais parce que je pense que ça va complètement enchaîner dans ce que vient de dire Lewis, qui est super. C'est en gros comment tu fais un fitting de balle. Oui. J'allais enchaîner là-dessus, et effectivement, avant de parler du process de fitting de balle, je voulais parler de la tolérance de la balle de golf. On n'en parle pas assez, et même si on a des des idées un peu reçues, des fausses idées sur la Pro V1, la Pro V1X, où certains golfeurs disent « j'ai pas le niveau pour jouer, je suis 25 d'index et j'ai pas le niveau pour jouer une Pro V1 ou une Pro V1X ». Alors, on peut dire que c'est pas vrai, parce que en fait, cette balle, elle va être tolérante. Elle va être surtout tolérante quand on va décentrer un chip d'une soixantaine de mètres, enfin, un coup de 60 mètres, un chip autour du green. Cette balle qui va prendre beaucoup d'effets, beaucoup plus que les autres balles, même si le coup est pas très très bien exécuté, elle va quand même prendre suffisamment d'effets pour qu'elle puisse s'arrêter sur le green. Et c'est là où la tolérance de la balle, une balle Pro V1, une balle Pro V1X, c'est tolérant, particulièrement sur des coups qui sont décentrés, même s'ils sont décentrés, ça va permettre de prendre suffisamment de spin par rapport à une balle distance qui, sur un coup décentré, va pas forcément s'arrêter très vite. Alors maintenant, le processus de fitting de balle, on a deux processus. On a un premier process où on va faire de l'éducation. Donc on va poser, ça va être une discussion avec le golfeur sur sa fréquence de jeu, ce qu'il aime, son feeling. À la fin de ce processus, à la fin de cette discussion, le fitter va lui recommander une balle et son alternative. Et après, c'est au golfeur d'aller sur le terrain pour tester autour du green, sur le green, autour du green, et après de s'éloigner du green pour arriver jusqu'au départ et de finir par l'aspect un peu plus touché de la balle. Le deuxième processus, c'est vraiment là, une fois qu'on a fait cette première éducation, si le golfeur est encore un petit peu hésitant sur l'un des deux modèles, là on va passer sur le fitting de balle. Et le fitting de balle, on va avoir le Trackman, un radar par exemple, pour pouvoir là mesurer toutes les données du golfeur. On va faire taper avec son driver, peu importe la marque du driver qu'il a, on va faire taper 3-4 drives avec une balle, 3-4 balles avec l'autre, pareil avec le fairset, pareil avec le wedge le plus joué dans le sac. Et à la fin, on va aller sur le putting pour justement vraiment déterminer la balle qui lui faut. Alors, okay. Question de la part de Anne-Marie, Nathan, qui vont maintenant dans le process du fitting. Donc, j'adore, parce que là, maintenant, on rentre dans les questions un peu plus techniques, parce que l'objectif principal de ce live, c'est de comprendre l'influence de la balle dans vos performances. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, si vous avez des questions sur les balles, sur comment est-ce que ça influence vos trajectoires, vos distances, posez les questions dans la zone de commentaires, parce que c'est le but de l'intervention de Benoît. Et Guillaume et moi, nous sommes là en tant qu'intervenants coach pour pouvoir, en fait, poser des questions que vous vous posez, les amateurs de golf. Et donc, une question de la part de Anne-Marie Nathan qui dit: est-ce que la vitesse de swing a une influence sur le modèle de la balle? C'est une question qui revient énormément, et c'est la raison aussi pour laquelle on ne veut pas faire des balles spécifiquement pour certains joueurs, des jeunes, des dames, des hommes, et surtout par vitesse de swing. Parce que si on regarde le sac, on a 14 clubs dans le sac. Et chaque club dans le sac, on a une vitesse de club différente. Donc, si on doit recommander la balle par rapport à cette vitesse de swing, cette vitesse de club, ça veut dire qu'il faut 14 balles différentes dans le sac. Or, c'est pas vraiment possible. C'est la raison pour laquelle on va jamais se baser sur la vitesse du swing, la vitesse du club, pour déterminer la balle de golf pour un golfeur. Et vraiment logique ce que tu viens de dire sur la vitesse, là, le fait de, tu as 14 clubs différents, tu as 14 vitesses différentes, mais alors tu vas pas avoir 14 balles différentes, tu vois, enfin, c'est expliqué comme ça, ça paraît assez logique, ouais. Et puis, on a certaines,
certaines femmes aussi qui tapent sur le LPGA, sur l'European Tour, qui tapent plus fort que le golfeur homme moyen. Donc ça veut dire que ces joueuses-là vont jouer de la Pro V1 et de la Pro V1X. Donc on ne peut pas déterminer par rapport si c'est un homme, une femme, un enfant, un jeune, à une vitesse différente, la balle de golf. On va vraiment se focaliser sur la trajectoire de la balle, s'il manque un peu de spin, s'il en faut un petit peu moins. Et surtout aussi, à la fin, sur le feeling de la personne. Parce qu'une personne qui trouve quelque chose de soft, peut-être qu'une autre personne trouvera ça ferme. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel pour le choix de la balle. Alors, Guillaume, je sais pas, tu me dis si Guillaume, tu as des questions, parce que moi, en même temps, je suis en train de prendre les questions du public de Facebook. J'ai comme d'habitude 1500 questions. Mais ce qui est très intéressant, je pense aussi, c'est comme ça que moi, j'aime bien aussi quand les gens me demandent quelle balle il faut que je joue. Pour moi, la notion que tu as mise en avant tout à l'heure, qui est le feeling autour des greens, pour moi, autour des greens est quasiment, mais ça m'intéresse d'échanger avec toi et d'échanger avec vous d'une manière générale, tous les internautes qui nous suivent. Ce qui se passe autour du green et sur le green est quelque chose d'extrêmement important et qui est moins mesurable que si on est au practice avec le TrackMan. Mais c'est pourtant une donnée qui est, selon moi, absolument primordiale. C'est-à-dire qu'au putting, par exemple, on sent que la balle soit en relation, et ça sera une question que j'aurai un petit peu plus tard dans le live, c'est qu'on puisse échanger ensemble et que tu puisses expliquer la relation, par exemple, avec les différents inserts qu'il y a dans les putters, qui, à mon avis, sont extrêmement importants et intéressants. Mais tout ce qui se passe autour du green est, pour moi, en tout cas, ce qu'il y a de plus important, alors tu risques de rebondir et de me dire non, pas tout à fait, mais ce qu'il y a de plus important dans un fitting de balle, en tout cas quand je propose aux gens ici de leur faire essayer des balles, c'est ok, comment vous ressentez ça autour du green, la réaction de la balle sur le green, au putting, est-ce que vous la sentez trop ferme, trop molle, quelle est la sensation que vous avez par rapport à ça, et pour moi c'est quelque chose de déterminant dans le choix d'une balle. C'est effectivement très 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 important, et de cette douceur, de ce feeling que l'on a, il y a une idée un petit peu reçue de tous les joueurs de golf, c'est la compression de la balle. La compression de la balle, alors, pour vraiment mettre un peu à plat toutes les idées reçues, c'est la compression de la balle, ça n'est lié que vraiment à la douceur qu'on va ressentir avec une balle de golf. Tous les joueurs, effectivement, on va moins compresser la balle si on a 60 miles par heure de vitesse de club par rapport à 110 miles par heure, effectivement, mais on va quand même la compresser avec 60 miles par heure. Donc, et de ça, on ne va pas forcément gagner plus de distance ou perdre de la distance parce qu'on joue une balle trop molle, donc avec une faible compression, ou une balle trop dure avec une compression un peu plus importante. Cette compression n'est vraiment liée que dans la conception de la balle, que à la douceur de la balle. Et en général, un golfeur qui va apprécier une balle relativement soft, qui va vous parler qu'il recherche quelque chose d'assez soft sur le green, vraiment très doux, en général, ce golfeur-là va plutôt être orienté vers une balle avec une faible compression. Question de la part de Tiger Kawet. Peut-être c'est Tiger Woods, on ne sait pas, qui est caché derrière. Combien de fois peut-on raisonnablement jouer avec une même balle ? Parcours, 2 parcours, 10 parcours ? Super question. C'est une question aussi qui peut être liée à notre recherche et développement. La dernière couche qui est pour la Pro V1, Pro V1X, qui est de l'urethane, c'est un matériau qui va être assez soft. En revanche, dès qu'on va avoir une balle qui va taper un rocher, qui va taper un chemin, qui va taper un arbre, et qu'on a une sorte de petite morsure sur la balle, effectivement, ça va venir altérer les alvéoles de la balle, et du coup, le vol de balle, lui, pourra être un petit peu différent. Donc, si la balle n'a pas d'impact, n'a pas de morsure, entre guillemets, ou de poc sur sa surface, il n'y a pas de raison de la changer. Et en revanche, elle sera toujours aussi performante. En revanche, si elle a tapé un caillou, si elle a tapé un arbre, là, effectivement, ça peut venir altérer la performance, le vol de balle. Tout dépend où elle va la balle, déjà. si la balle, elle va dans la forêt, si elle touche des rochers, chose qui m'arrivait beaucoup de fois, la balle, elle peut être abîmée assez rapidement. Et si on va chercher les fairways et les greens, eh bien, évidemment, la balle va avoir un peu plus de longévité
Donc un pro, dis-moi juste par ton expérience et connaissance du circuit, on va dire que voilà, un pro il touche fairway et green, combien de fois par 18 trous est-ce qu'il va changer la balle? Ça peut varier des joueurs, mais on va peut-être changer tous les 4 trous. Avant, c'était à chaque sortie de bunker, il y a une dizaine, quinzaine d'années, à chaque sortie de bunker, il fallait changer de la balle parce que la dernière couche était tellement fragile et tellement molle que bah, il fallait, après une sortie de bunker, avec les stries et le sable, elle était mordue. Donc, on avait un changement. Là, c'est vraiment le travail de la recherche et développement pour trouver un urethane, donc la dernière couche de cette balle, qui va être de plus en plus durable et de plus en plus résistante au fur et à mesure des parcours, même si elle tape un caillou ou même si elle tape des arbres. Donc c'est vraiment, ça dépend du joueur, mais dès que le joueur va voir la moindre imperfection sur la balle, il va changer tout de suite sa balle de golf au prochain trou. Alors moi j'ai une question dans cette direction-là. Avec les études qui ont été faites, si la balle n'a pas été, je dirais, altérée par un élément extérieur qui peut être comme tu l'as dit, un arbre, un rocher, une route pour les voiturettes. Est-ce qu'on sait si on tape la balle de manière régulière à chaque fois combien de coups, si on met les éléments de côté, au bout de combien de coups elle peut commencer à être déformée? Tant qu'on n'a aucune marque qui vient altérer les alvéoles de la balle, on aura, sachant que la dernière couche va être protégée par, enfin, la dernière couche va protéger plutôt le noyau de la balle, tant que les alvéoles ne sont pas altérées, voilà, on peut garder la balle en jeu. Sur un robot, on va pouvoir garder la balle extrêmement extrêmement longtemps parce que le robot va tout le temps taper la balle sans venir altérer la performance. On parle toujours de l'évolution des clubs. Tu vois, tous les ans, c'est à chaque fois, c'est le club qui sort, qui va permettre d'être plus tolérant, qui va permettre d'être plus performant. Mais c'est vrai qu'on se pose rarement la question de l'évolution de la balle et ce que tu viens d'évoquer. Et tu vois, il y a Frédéric Schmitt, donc le patron du journal du golf, qui est là avec nous, on passe un petit coucou, qui dit oui, la balle à plat, donc la balle de l'époque où on l'a tapée quelques fois, et la balle, du coup, on l'abîmait plus, ce qui veut dire qu'on utilisait plus de balles, ce qui veut dire qu'on dépensait plus dans l'investissement dans les balles de golf était plus important qu'aujourd'hui où la balle est beaucoup plus performante et donc du coup elle dure plus longtemps. Plus longtemps, voilà, c'est ça. Mon père, il a connu les Dunlop 69, je crois, Dunlop 69, qui étaient les petites, les balles qui étaient beaucoup plus petites. Il m'a dit, Lewis, tu peux glisser les Dunlop 69, il les a toujours. Ça, c'est les balles qui étaient à l'époque enrobées comme un bonbon. Un bonbon. Et donc, la Balata, c'était ensuite un peu la révolution au moment où elle est sortie. La Balata, c'était juste incroyable. Mon père l'a joué pendant des années, Fred aussi. Et là, aujourd'hui, c'est donc cette première qui est tous les ans. Moi, j'ai pas connu cette époque-là, je crois. Attends, est-ce que je l'ai connue? Je suis vieux. Mais en tout cas, la Proviens, tous les ans, elle vient s'améliorer. C'est là où je voudrais que tu nous parles un peu plus maintenant de l'influence des alvéoles. Les alvéoles sur la balle de golf. Je sais que vous avez fait beaucoup de tests, notamment avec... et c'est là où je suis en train en même temps... Alors messieurs, vous savez que nous, on est en Skype, mais en même temps, je suis en train de montrer des images à l'audience Facebook. Et là, en ce moment, je suis en train de montrer la vidéo de Rafa Cabrera-Bello qui fait des tests avec justement des balles qui ont des alvéoles, des balles qui n'en ont pas. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ce qui se passe dans cette vidéo, Benoît, et l'influence des alvéoles sur la trajectoire et la distance? Alors oui, c'est une vidéo qui est vraiment extrêmement intéressante et surtout qui met en avant l'importance phénoménale des alvéoles. Alors ça n'est que des petits ronds sur la balle, des petits creux sur la balle, mais ça a une influence extrêmement importante. Et lors de ce test avec Rafa Cabrera-Bello, on a les trois tests avec une balle qui va être totalement lisse, et on va voir que la balle va plonger tout de suite. Et au fur et à mesure du test, on va arriver sur une balle avec une moitié d'alvéole, une moitié de partie d'alvéole, une moitié lisse. Après, on va avoir le dernier test sur une balle qui va être quasi similaire visuellement à une balle que l'on va trouver dans la boîte. En revanche, il y a une infime couche de peinture qui a été ajoutée à ce dernier test. Et du coup, cette infime partie de peinture qui va être ajoutée, ça va justement altérer totalement la performance de la balle.
Et c'est là où on essaie de combattre un petit peu aussi, ne serait-ce que par l'éducation auprès des golfeurs. Les balles qui sont achetées, parce que c'est des balles qui ont été retrouvées dans les lacs, qui ont été nettoyées, qui ont été aussi repeintes. Les balles reconditionnées. En fait, on vient totalement altérer la performance initiale de la balle parce que on a ajouté, cette entreprise a ajouté une couche de peinture sur les alvéoles. Et du coup, on vient totalement altérer ce mode de balle qui va être moins régulier. Et les joueurs amateurs, ils ont pensé faire une bonne affaire parce que du coup, ils ont eu. Et en fait, la balle qu'ils ont achetée pour initialement être plus performant, où ils ont pensé faire une bonne affaire, malheureusement, c'est plus la même balle. Donc en fait, on parle même plus de la même balle quand elle est reconditionnée. La balle a été complètement retransformée, quoi. J'aime bien la balle. Effectivement, la balle a été totalement retransformée parce qu'en fait, de temps en temps, il se trouve que c'est même pas une Titleist ou c'est même pas une balle qui est de la marque qui est indiquée sur cette balle-là. En fait, quand on vient couper la balle, on se rend compte que c'est pas du tout une Titleist, par exemple, qui a été repeinte et stampée avec le sigle Titleist. Mais parce que l'image que j'aime bien, c'est vraiment de montrer aux golfeurs que le noyau de la balle, c'est un peu le moteur dans un avion, et les alvéoles, c'est un petit peu comme les ailes de l'avion qui vont venir justement faire planer la balle, qui vont faire planer l'avion du coup pour les ailes le plus longtemps possible. Et là, on le voit clairement dans la vidéo de Rafa, qui est un joueur qui est extrêmement performant, joueur de Ryder Cup, multiple vainqueur sur différents circuits professionnels. Et un joueur de ce calibre-là, tu lui donnes la mauvaise balle, ou en tout cas une balle qui n'a pas les alvéoles qu'il faut, et ben peu importe ce qu'il fait dans son swing, la balle, elle ne va pas répondre présent, quoi. Là, on voit que la balle, elle part complètement vers la gauche. Il y en a une qui part complètement vers la droite. Il y en a une qui ne vole pas du tout. Et c'est là où je pense que cette vidéo est hyper représentative de justement l'influence de la balle de golf sur le jeu des joueurs. Et là, on parle juste des alvéoles. On a une technologie extrêmement complexe et importante à l'intérieur de la balle, avec les matériaux qui sont utilisés pour faire le noyau, la couche intermédiaire, plus l'uréthane pour faire la dernière couche, et les alvéoles qui viennent sur cette dernière couche. Et là aussi, où il y a quelques idées, un peu des idées reçues, où plus j'ai beaucoup de golfeurs qui me disent plus on a de pièces, plus je vais avoir une balle qui va être soft. Alors, donc une pièce, deux pièces, trois pièces, c'est ça que tu veux dire? Exactement, une pièce avec, quand on parle de pièces, on va dire le noyau, une première pièce, la couche intermédiaire, deuxième pièce, et l'uréthane, la dernière couche, qui va être la troisième pièce, par exemple. On a une balle comme la Provient X qui fait 4 pièces, parce qu'on a un double noyau, qui va justement créer différents taux de spin par rapport à la V1. Mais du coup, on a une balle V1X qui va avoir 4 pièces, qu'on va comparer à une balle Pro V1 qui va avoir 3 pièces, et une Trufil qui va avoir 2 pièces. La Trufil qui a 50 de compression va être beaucoup, 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 beaucoup plus soft, parce qu'elle va avoir 50 de compression par rapport à une Pro V1 ou une Pro V1X qui va avoir 4 pièces et qui va être à 110 de compression. Donc, c'est pas parce qu'on rajoute un nombre incalculable de pièces qu'on va avoir une balle qui va être soft. Juste une ou deux petites choses. On a des questions qui sont extraordinaires de pertinence. J'ai des Pro V1X de 2013. Sont-elles encore efficaces? Ouais, c'est ça. Elle est surprenante, cette question. Je m'attendais pas à voir. Lionel Alexandre, qu'on salue, génial. Mais moi, j'ai une petite question. Et je rebondis toujours sur la même chose. Alors, les gens vont se dire, putain, ils racontent toujours la même chose, mais c'est pas grave. Mais c'est pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux sur la balle qu'on a trouvée effectivement au fond d'un lac, qu'on récupère. Il y a autre chose, moi, au golf du Vaudreuil, à la Boulie avant où j'étais, quand il y a une balle qui passe tout un hiver pluguée, parce que c'est comme ça, et qu'on la récupère début de l'été parce qu'elle est restée longtemps et qu'on la met par exemple devant un Trackman, la balle c'est absolument n'importe quoi. Donc la qualité de la balle, et c'est génial ce que tu disais Lewis, et je rebondis là-dessus, on a beau donner la meilleure balle du monde, on a beau donner à un des meilleurs joueurs du monde une balle qui ne va pas, la balle va faire n'importe quoi. L'importance de la balle, et je me répète, j'ai dit en début,
est absolument capital. Il faut absolument pas, et je répète ça à mes élèves toute la journée, je le répète pour tout le monde, ne lésinez pas sur la balle que vous achetez. Achetez. Moi, je préfère que vous achetiez une balle, on est avec Titleist, donc on va parler de Titleist, une Truefeel qui va être plutôt chez Titleist, on va dire un entrée de gamme, et encore, en tout cas une balle moins chère, il n'y a pas d'entrée de gamme chez Titleist, que une balle qui a été qu'une Pro V1 reconditionnée, on ne sait pas d'où elle vient. La balle, et je me répète, est capitale. Souvent, j'ai des gens qui arrivent qui me disent « je ne comprends pas, j'ai perdu 20 mètres, j'ai perdu 30 mètres, ceci, cela, ce dernier parcours, c'était la catastrophe, j'avançais plus, ils me montrent la balle. » La balle, elle avait connu trois générations. C'est juste pas possible. C'est donc, si fun. On a, avec c'est cela, et avec la conscience que la balle est probablement l'élément pour moi, hein, le plus important de votre sac, on aura gagné. Ne lésinez pas sur la balle. Balle en bon état, vaut mieux une balle pas chère, de bonne qualité, enfin de neuve, qu'une balle qui normalement coûte cher et qui soit déstockée, enfin pas déstockée, mais en tout cas qui soit reconditionnée, ce qui pour moi est extrêmement dangereux. Guillaume, je peux répondre là-dessus sur une question qui va aller dans le sens de ce que tu viens de dire, parce que du coup, voilà, les gens ont compris qu'il y a un investissement à faire sur la bonne balle. Et donc, du coup, il y a Yvan qui pose la question. La vieille boîte de balle, et je pose cette question parce que franchement, elle est sortie à une dizaine de reprises de formes différentes, mais je ne m'attendais pas à avoir cette question-là. Mais la vieille boîte de Pro V1 que Mamie Janine m'a offert il y a 5 ans, est-elle toujours efficace? Point d'interrogation. J'ose pas les jouer vu que je ne ferai que 3 trous avant de ne plus en avoir. Et cette question-là, elle est venue fréquemment. Est-ce que les balles qu'on a achetées il y a 3-4 ans, est-ce qu'il y a une date de péremption ou est-ce qu'elles sont toujours aussi performantes? Alors non, elles vont être toujours aussi performantes. Elles vont avoir des... Si on prend une Pro V1 de 2013, 2015, 2017, 2019, on va avoir exactement la même résistance dans le temps. En revanche, on va avoir des performances qui peuvent être totalement... totalement différente, avec moins de spin au fur et à mesure des années, parce que c'est aussi ce qu'on cherche au niveau des amateurs ou même au niveau des pros. On cherche à avoir moins de spin pour éviter d'avoir d'en générer trop et de générer des effets trop importants latéraux. En revanche, mais c'est aussi pour ça que certains joueurs sur le tour, et on produit aussi encore des balles de 2013 par exemple pour eux, parce que cette balle là elle est parfaitement adaptée en termes d'effet, en termes de feeling, en termes de hauteur de balle à ce joueur de ce calibre là mais encore une fois, ça correspond à 25% des joueurs sur le tour. Les 75 autres pourcents jouent exactement la même balle et la nouvelle génération de balles, parce que de génération, tous les deux ans, de génération en génération, on essaye de générer des performances plus importantes que la précédente génération. Alors Benoît, ça fait 34 minutes. La balle de... Allez, on va parler de la balle de nos rêves. Je pense qu'on ne rêve pas tous de la même chose. Il y a des balles, il y a des gens pour qui... La balle de rêve, c'est qu'il y ait une puce GPS à l'intérieur, qu'on puisse la retrouver, ça c'est pour certains. Ça m'aurait sauvé beaucoup de temps. Ça. Je pense que c'est une question, je dis ça en plaisantant, mais je suis sûr qu'il doit peut-être y avoir des réflexions par rapport à ça. Et surtout une question hyper importante, qu'est-ce que tout le monde cherche aujourd'hui, en tout cas en général, c'est d'avoir peu de spin avec le drive, pour avoir le moins d'effet possible, qui est moins de, allez, pour faire très simple, le moins de résistance dans l'air possible avec le driver. Mais par contre, ce qu'on cherche bien évidemment autour du green, c'est une balle qui va générer du spin. Donc c'est, je dirais, le rêve absolu est d'avoir peu de spin sur le drive, et plus on arrive proche du green, et plus on est capable de générer du spin. Donc bien évidemment que la mécanique... On veut de la distance et du spin, Benoît. Les Pro V1 et Pro V1X sont parfaitement là pour ça. ça tombe bien, mais est-ce que d'un point de vue un peu... plus, alors tu es fitter, tu n'es pas dans la recherche et dans le développement, et on ne veut pas rentrer dans des choses très compliquées. On a perdu, tu m'entends Benoît? Oui, on a perdu Guillaume avec les coups de fer. Mais est-ce que tu as un ou deux conseils quand même? J'ai été coupé, je crois. Ouais, mais 10 secondes. Je pense que Benoît a compris le sens de la question. Au niveau de la balle, qu'est-ce qui fait que la balle peut avoir peu de spin avec le drive et beaucoup de spin avec un coup de sandwich? Alors, c'est exactement ce que je cherche et le travail de la recherche et développement
particulièrement sur la Pro V1. Et la... On revient toujours sur ces balles-là parce que c'est les balles les plus performantes. Et n'importe quel joueur, encore une fois, peuvent jouer ces balles-là si le joueur cherche le maximum de performance, quel que soit son niveau. Et c'est le but de ces deux balles-là, c'est de pouvoir créer différentes parties dans la balle à l'intérieur, le noyau, la couche intermédiaire qui vont interagir, ces trois parties vont interagir en fonction de la vitesse du club, c'est-à-dire que sur le driver, donc à haute vitesse de club, quel que soit le joueur que l'on a, cette technologie-là va permettre de faire baisser la rotation de la balle. Et après, on va voir ce qu'on appelle le drop and stop. Plus on va se rapprocher du green, plus la vitesse de nos clubs va forcément baisser. Et c'est là où la couche d'uréthane plus la couche intermédiaire plus le noyau vont permettre de générer un maximum de spin sur des attaques de green, autour de green, sur des chips. Question de la part de Frédéric Gras qui dit « C'est quoi la différence entre une V1 et une VX, s'il vous plaît ?» Alors, c'est encore une fois des questions qui reviennent extrêmement souvent durant les fittings. La différence, c'est qu'on estime que la Pro V1, c'est la balle la plus optimale pour n'importe quel type de golfeur. C'est une balle qui va avoir une trajectoire plutôt médium, qui va avoir un taux de spin relativement bas. La Pro V1X, elle va être un petit peu plus ferme au niveau du toucher. En revanche, elle va prendre une trajectoire légèrement plus haute parce que les alvéoles et le schéma des alvéoles va être totalement différent par rapport à la Pro V1. En revanche, c'est une balle aussi qui va prendre beaucoup plus les effets sur les attaques de green parce qu'elle a un double noyau qui va lui permettre de générer à faible vitesse de club, c'est-à-dire à partir du fer 7, du fer 8 jusqu'au dernier des wedges, qui va permettre de générer un maximum d'effets. C'est cette différence qu'on va avoir entre les deux. C'est marrant, juste en parlant, je viens de comprendre pourquoi cette balle-là, moi j'ai toujours apprécié la V1, je la joue depuis que j'ai 16, 17, 18 ans, quand je me suis mis à fond dans le golf. Et ce qui est assez intéressant, Benoît, c'est en fait quand tu découvres une balle et que tu as pris l'habitude de cette balle et que tout d'un coup on te donne une autre balle, et ça peut être une autre balle de la même marque. Hein. Quand on a essayé de me faire tester la V1X, franchement, je ne l'aimais pas au niveau du toucher. Quoi. C'est-à-dire que j'étais autour des greens et je ne ressentais pas les mêmes sensations qu'avec la V1, qui était pour moi plus de douceur autour des greens. Et effectivement, au niveau de la trajectoire, je sentais que je pouvais faire un peu plus que je voulais. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment particulier, c'est personnel presque la balle. Quand on arrive à la sentir beaucoup plus facilement. Et donc maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais Lewis, quand on débute le golf ou quand on est 25, 20 d'index, est-ce que du coup, on a les mêmes ressentis qu'un joueur un peu plus expérimenté ?» Et donc du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Est-ce que vraiment… Tu vois, c'est la question typique qu'un joueur amateur va se poser, c'est est-ce que vraiment c'est important pour moi, quoi, tu vois, de jouer la même balle ? Et tu vois, c'est un peu la question d'Axel Besbayou qui dit « Est-il important de jouer tout le temps la même balle ?» Et c'est là que je voudrais que tu répondes pour les amateurs, parce que les pros connaissent la réponse, ils la jouent tout le temps. Mais explique aux amateurs vraiment pourquoi c'est important de jouer la même famille de balles. Jouer la même famille, le même modèle de balle à chaque fois. Le même modèle de balle, pardon. Oui. C'est la chose qui va permettre de baisser ses scores. Pourquoi ? Parce que on va toujours avoir la même réaction à la sortie de club et surtout à l'arrivée soit sur le fairway ou soit sur le green. Et c'est là où c'est important. Si on s'habitue à toujours jouer aussi bien sur les parties amicales ou les parties en compétition, si on joue tout le temps ce même modèle de balle, la balle va toujours réagir de la même façon parce que la technologie va agir de la même façon. Si on change de balle, ne serait-ce que dans la gamme Titleist, on a des modèles de balles qui sont totalement différents en termes de vol de balle, en termes d'effet, en termes de feeling. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'effet, si on joue deux balles différentes sur deux attaques de green, on peut avoir une réactivité qui va permettre différence. De l'arrêter facilement. Alors, si on a trop de spin, on va, dans son jeu, on va avoir besoin d'une balle qui va mettre moins d'effet et donc pouvoir l'arrêter aussi plus facilement. Et de pouvoir anticiper ce qui va se passer. D'avoir une vraie anticipation et de connaître la réaction de la balle. Et ça, c'est super, super important parce que comme tu viens de le dire, les balles sont différentes, elles vont forcément, comme elles sont différentes, elles agissent différemment et l'anticipation par rapport à ça est hyper, hyper importante. Deux balles
opposés d'un point de vue performance, en tout cas qui ne font pas la même chose, l'adaptation au niveau du joueur et l'anticipation va être complètement différente. Donc c'est de pouvoir anticiper ce qui va se passer, parce que comme tu le dis, vous pouvez imaginer quel rebond elle va avoir entre une Pro V1 qui a beaucoup de pin et une True Feel qu'en a moins. La réaction sur le green va être différente. Au niveau du putting, il va y avoir une influence aussi. J'ai vu tout à l'heure passer une question sur est-ce que ça a vraiment une influence au putting. Bien évidemment, en tout cas pour moi, c'est évident. Donc voilà, c'est surtout de pouvoir anticiper ce qui va se passer. À force de jouer avec le même outil, avec la même balle, vous savez exactement la réaction qu'elle va avoir. C'est hyper bête ce que je vais dire, mais quand vous êtes au volant de votre voiture, vous savez comment elle va réagir. Et si vous avez une nouvelle voiture, vous allez prendre du temps pour vous acclimater un peu plus. Là, vous avez une expérience au bout d'un moment qui s'acquiert. L'habitude. Je sais que c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Victor Pérez, donc numéro 1 français actuel, qui joue un modèle de balle que vous avez qui date de, corrige-moi si je me trompe, de 2013-2014. Donc, il ne joue pas la toute dernière V1 qui vient de sortir. Il joue une balle sur laquelle il se sent à l'aise, il a l'habitude. Et tu me disais que c'est la particularité du circuit, c'est que tu pouvais justement avoir des balles d'une certaine année. Et c'est parce que, c'est sûr, alors c'est parce que c'est encore produit pour les joueurs de ce calibre-là, à haut niveau. Mais Victor, il a sûrement essayé, on l'a sûrement fité sur les dernières générations de balles, 2017-2019. Mais étant donné qu'on a des performances qui sont totalement différentes par rapport au modèle qu'il joue, peut-être que les derniers modèles que l'on a sortis ne convenaient pas à ce que lui recherchait en termes de vol de balle, en termes d'effet pour arrêter et contrôler facilement sa balle. Donc c'est là où c'est important de passer entre les mains d'un fitter, de demander conseil à son enseignant pour justement savoir vers quel modèle de balle on va venir s'orienter. Je suis en train de regarder en même temps s'il y a des questions sur les différentes pages, parce que voilà, on voudrait faire un petit rappel. On est sur la page du Journal du Golf, on est aussi avec Altus Performance, donc qui est l'académie que Guillaume représente au Golf du Vaudreuil. On est également en live sur Titleist France et ma page Wallace Academy. Donc voilà, on a voulu vraiment diffuser ce live auprès d'un grand nombre de personnes dans l'idée d'éduquer les amateurs sur le sujet qui est le plus sous-estimé, l'influence et l'importance de la balle. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Et encore une fois, l'élément du sac. On a 14 clubs dans le sac, mais on va encore une fois jouer la balle sur chacun des coups qu'on va jouer. Donc, en faisant 65 sur un parcours, je vais avoir tapé 65 fois dans ma balle. Donc, il faut qu'elle puisse réagir exactement comme j'ai envie qu'elle réagisse, ou alors, je ne sais pas. Bravo. 65, 72, bravo. Prend des scores relativement bas. Mais en tout cas, oui, effectivement, il faut que la balle réagisse de la façon la plus régulière pour contrôler sa balle. Et j'aime bien aussi prendre l'exemple, même et pour le coup là, de l'amateur qui va faire son drive, qui va placer son drive à 220 mètres sur le fairway, qui va avoir un coup de faire 7, faire 6 pour attaquer le green, qui va malheureusement rater le green. Il va se retrouver forcément avec un coup aux alentours de 20, 30, 40 mètres autour du green ou dans un bunker. Donc c'est là où, si je veux placer ma balle le plus proche du drapeau, il faut que la balle puisse générer de l'effet, du contrôle. Alors que si j'ai une balle qui va prendre moins d'effet ou alors une balle distance, pour l'arrêter à côté du drapeau, à un mètre ou plus proche qu'un mètre, ça va être plutôt compliqué. Donc dès qu'on va manquer un green, on va avoir un wedge dans les mains. Il faut que la balle puisse réagir à ce coup de wedge. Donc, il faut un maximum de contrôle autour des greens. C'est pour ça que ce compartiment de jeu autour des greens, c'est extrêmement, extrêmement important de bien choisir sa balle pour avoir un maximum de contrôle. Une question, Oui, vas-y. Excuse-moi, Lewis. Elle est revenue à plusieurs reprises, cette question. Est-ce que les balles, est-ce que quand Titleist fait une balle, est-ce que vous essayez d'optimiser par rapport au club Titleist? Alors, c'est deux éléments à l'intérieur de la marque Titleist qui sont développés vraiment différemment. On a des usines de balles qui développent uniquement les balles et on a une recherche et développement club qui développe uniquement les clubs. Alors, forcément, on va, pendant les tests, utiliser nos clubs pour tester les balles. Mais
c'est deux choses différentes. On veut que la balle, même si le golfeur joue des marques différentes de driver, de wedge, de fer, on veut que la balle puisse être adaptée à son matériel. Donc, c'est deux choses totalement, en tout cas, c'est développé vraiment de façon différente avec un pôle, une recherche et développement uniquement balle et une recherche et développement uniquement pour les clubs. Une question là, de la part de Philippe Perruchot, question intéressante hein, de la part d'un joueur qui est sur le parcours. Par rapport à ton discours de tout à l'heure où tu parles de la Pro V1 comparée à la Pro V1 X, où la Pro V1 X elle est un peu plus dure, elle vole un peu plus haut. Et là, du coup, Philippe dit, doit-on changer de balle pour un par 5 ou un par 3 action de la balle. Donc là, on parle d'un principe qu'un par 5, le joueur veut taper la balle plus loin. Et ensuite, il arrive sur un par 3 et veut que la balle s'arrête rapidement sur un green. Quel serait le conseil que tu donnerais à ce joueur-là? Alors, dans le monde idéal, d'avoir une balle pour chaque club, ce serait bien, mais c'est pas possible. Donc non, il faut vraiment, justement, c'est là où le fitting de balle, l'éducation sur la balle va être importante. C'est qu'on va pouvoir acter un modèle de balle. Le fitter va pouvoir recommander un modèle de balle qui va être le plus performant dans n'importe quelle situation. Donc c'est vraiment, encore une fois, important pour... Parce que imaginez que sur l'attaque de green, par exemple, on veut passer au-dessus de l'eau, on veut prendre le par 5 en deux, il y a de l'eau, donc on va changer de balle. Mais il se peut que la balle, par exemple, si on prend une balle distance, pour que la balle puisse s'arrêter sur le green, ça va être beaucoup plus compliqué que si on a la même balle qui va réagir de façon importante sur le green. Donc non, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'acharner à garder toujours le même modèle de balle une fois qu'on a été fitté pour que notre jeu soit le plus régulier possible et qu'on ait la meilleure performance possible. Question de la part de Yvan Chiménian qui dit « Connaît-on l'incidence sur la distance lorsqu'une balle est maintenue au chaud ?» Y a-t-il une température idéale pour le noyau ou le cover pour gagner en distance ou en vitesse? Alors, il y a des données. Alors bien sûr, on travaille ça en recherche et développement. Il y a aussi Trackman qui fait énormément de travail sur le vol de balle. Et effectivement, sur des températures un petit peu plus importantes, on va avoir aussi une distance un peu plus importante parce que l'humidité de l'air, parce que la température, la densité de l'air va faire qu'on va pouvoir porter la balle un peu plus facilement. Donc là, effectivement... si on joue en hiver par 5 degrés ou si on joue le même parcours en été par 30 degrés, on peut avoir différentes différences de distance. Mais encore une fois, on a la même balle et on sait que on aura peut-être un club de plus à jouer sur le deuxième coup l'hiver. En revanche, on aura peut-être un club de moins à jouer sur ce même coup, sur ce même trou en été. Donc oui, il y a une influence de la température, des éléments extérieurs sur la balle de golf. Une balle humide, par exemple, une balle avec de l'eau, c'est pour ça aussi qu'on voit souvent et beaucoup de joueurs sur le practice, juste avant de s'échauffer sur le tour, qui nettoient bien les balles pour que la balle ne soit pas humide, parce qu'on va perdre de la performance si la balle est humide, si la balle a des... un peu d'air par exemple sur les alvéoles. Oui, on va perdre de la friction. C'est comme le cas pour les plus motivés d'entre vous qui s'entraînent l'hiver sur les practices avec des balles qui sont un tout petit peu gelées. Ces balles qui sont très froides retirent toute friction et c'est souvent une balle qu'on voit plongeante très rapidement parce que le manque de friction fait que la balle tombe tout de suite. Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais c'est assez anecdotique et c'est plutôt une petite boutade. Mais très souvent, quand il y a un obstacle d'eau, nos joueurs amateurs qui n'ont pas complètement... Je sais ce que tu vas dire. Vont plutôt aller chercher au fond de leur sac la plus mauvaise balle qu'ils ont. Le seul conseil qu'on a à vous donner, c'est que... Ça m'arrive aussi, en tant que pro. Vous prenez celle qui va aller plus loin. Si vous prenez la balle, comme disait Fred Schmidt tout à l'heure, la balle du chien, c'est-à-dire que votre chien a mâchoté pendant 2 ou 3 semaines, et voilà, il risque d'y avoir moins de performance et il risque de ne pas passer l'eau et de finir dans l'eau. Donc, si vous avez un obstacle à passer, allez chercher la balle la plus performante de votre sac et pas la moins bonne. Exactement. Exactement. Et surtout, la même balle que vous avez jouée précédemment. Et de faire confiance au fitter qui vous a recommandé la balle et surtout de faire confiance après à la balle de golf qui sera parfaitement adaptée pour aller, que ce soit pour aller chercher... un coup au-dessus de l'eau ou alors pour aller chercher un par 3 ou un autre coup important à faire.
Alors, il me semble, Benoît, ce qui est top sur votre site, c'est que la dernière fois qu'on a parlé sur le wedging, c'est que vous avez un système sur votre site qui permet aux amateurs de comprendre quel wedge leur convient. Donc, on parlait de wedging, c'est quel loft, quel bounce, etc. Ce que je trouvais top, un sorte de système de personnalisation pour les personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de venir à Titleist Chantilly pour découvrir comment se faire pitter la balle. Je sais que vous avez un centre aussi dans le sud de la France. Mais est-ce que vous faites pareil, je suis curieux, pour les balles de golf, est-ce que vous avez un système sur votre site qui permette aux amateurs de répondre à plusieurs questions et de leur permettre de comprendre quelle serait la meilleure balle pour eux? Alors, on a développé sur le site, qui est maintenant disponible aussi en français, un outil, une aide de sélection de la balle. C'est quelques questions qui vont être posées aux golfeurs et c'est des questions qu'on va retrouver aussi beaucoup durant les fittings de clubs Titleist sur le terrain, dans les golfs. Ça va permettre à la fin, donc pour cet outil de sélection de la balle, de déterminer une balle qui sera recommandée et son alternative. Et après, ça permettra aussi de dégrossir le choix dans la gamme Titleist pour avoir vraiment deux modèles de balles qui seraient susceptibles de fonctionner avec les réponses que le golfeur a apportées. Et ensuite, on conseillera au golfeur d'aller justement tester ses balles sur le terrain, en conditions de jeu, et de choisir celle qu'il préfère. S'il est, encore une fois, s'il est vraiment incertain à la fin de ce test, là, on lui conseillera plutôt de passer entre les mains d'un fitter avec un radar pour justement là, avoir des vraies données et dire cette balle-là sera plus performante que celle-ci. Pourquoi? Parce que telle raison, telle raison et telle raison. Et moi, mon conseil, si je peux me permettre hein, par rapport à ça, c'est première des choses quand il y a un choix de balle, c'est effectivement comme il est fait, comme vous faites, pour avoir déjà dégrossir le travail. Après avoir dégrossi le travail, dans un premier temps, c'est d'aller chipper et putter. Et c'est dans un dernier temps pour moi qu'il faut valider, je dirais, la balle avec un radar. Mais pour moi, en un, c'est dégrossir, en deux, le petit jeu, et en trois, le radar. En tout cas, c'est mon process à moi. Exactement. Et je l'aime bien comme ça parce que j'estime que si c'est uniquement, OK, la machine m'a dit que, et pourtant je suis un fan des machines, je suis un fan de Trackman, mais la machine m'a dit que c'était la bonne balle pour moi, OK, au grand jeu, mais qu'est-ce qui va se passer sur le green, autour Au du petit green, jeu, quel ça c'est on va clair. avoir. Donc moi je sais que c'est un fonctionnement que j'aime bien comme ça. C'est la recommandation qu'on va avoir aussi. Les fitters vont d'abord recommander de tester ces balles-là autour du green. Déjà, ne serait-ce que la sensation, la douceur de la balle, c'est important parce que le joueur, si on dit au golfeur après le radar, vous devez jouer cette balle-là, et que le golfeur nous répond, ok, mais la sensation est beaucoup trop ferme pour moi, j'aime pas. Donc, on va être un peu dans une impasse. Donc, c'est vraiment important que le golfeur mette en avant aussi et échange avec le fitter sur ses sensations. Et que le fitter, lui, puisse mettre en avant les performances que ça apporte au golfeur. Et de Et pour les... mixer ça pour arriver à un exemplaire de balle. pour les amateurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui disent oh ouais, mais moi quand je joue au petit jeu, j'arrive pas à sentir la différence entre telle et telle balle. Regardez comment la balle réagit aussi. Quand elle arrive sur le green, vraiment essayez d'avoir une vraie prise de conscience sur si vous n'avez pas encore développé les habiletés de sensation pour vous permettre de comprendre la différence entre les balles, ce qui prend un peu de temps, hein. C'est vraiment de l'expérience. C'est pas une question de niveau, c'est une question d'expérience et de pratique. Et donc, du coup, regardez comment la balle réagit quand elle arrive sur le green, quand elle est bien contactée, évidemment. Vous comparez deux balles que vous avez tapées d'une façon similaire. Et là, quand la balle arrive sur le green, regardez comment elle a réagi. Est-ce qu'elle a plus de spin, moins de spin? Est-ce que vous aimez la façon où elle vole? Est-ce que vous aimez le roule? Et à partir de là, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Au lieu de vous dire, ah, j'ai pas vraiment senti la différence entre les deux. Il y a plusieurs formes d'identifier quelle est la bonne balle. Et le toucher, c'est quelque chose qui se développe à travers de la pratique et de l'expérience. C'est exactement, c'est tout à fait vrai. Et certains golfeurs, quel que soit leur niveau, sur le tour ou un golfeur qui est 45 d'index, vont être plutôt assez sensibles à cette douceur, à ce toucher de balle. Et d'autres golfeurs sur le tour ou alors 45 d'index vont être pas du tout sensibles à cette chose-là. Donc, cette sensibilité que l'on a, quel que soit le niveau, quand on n'est pas assez on n'a pas trop de sensibilité à ça, on va se faire aider par un fitter.
En revanche, quand on a une sensibilité à préférer plus ou moins certaines douceurs, bah, c'est là où on va avoir, entre guillemets, on va avancer le travail du fitter pour le choix de la balle. Benoît, ça fait quasiment une heure que nous sommes en live et on voit que ça passionne les gens parce qu'on a tout autant de personnes maintenant, une heure après, que dans les 10 premières minutes du live. Donc c'est à chaque fois, c'est pour nous, ça nous montre à quel point le sujet est intéressant parce que les personnes sont restées connectées du début à la fin. Il y a même Tiger Cowet qui est encore là, qui dit, je crois qu'en fait il a caché son nom Tiger Woods parce qu'il est dans une marque concurrente, donc il n'a pas voulu il a pas voulu montrer qu'il était là. Tous les meilleurs sont passés chez Tiger. Et Tiger Cowet dit, bon, faut refaire une session sur les balles, trop passionnant et franchement assez méconnu. Donc bon commentaire là de la part de Tiger Cowet. Et on y travaille. Parce que là, on y travaille. Donc Yvan Chemignan qui cette fois-ci va poser une question sur, et ça va un petit peu dans le sens de ce qui se passe en ce moment, sur le déconfinement qui arrive le 11 mai. Donc il y a Yvan qui dit, Benoît, est-ce que tu as une idée sur la date de la réouverture du centre à Chantilly? Parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le fitting de balles et le fitting en général à Chantilly. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui va se passer? Après ce que le gouvernement a annoncé à 15h, pour l'instant, là, on n'a pas de date réelle de réouverture. Ça va être au fur et à mesure de ce qui sera annoncé. On espère pouvoir réouvrir le plus tôt possible. Ça me paraît un petit peu juste pour le 11 mai. Espérons que ça puisse être réouvert, début juin, une fois que... Et si toutes les conditions sanitaires sont mises en place pendant le fitting, et si on peut les mettre en place, on essaiera de le réouvrir au plus vite et espérons que début juin, mi-juin, on puisse le réouvrir assez rapidement. Ouais, je sais que j'ai parlé à plusieurs personnes dans l'équipe de Titleist par rapport à leur ouverture et la sécurité, c'est quelque chose, et la santé, c'est la priorité, hein, vraiment. À chaque fois que je discute, tout à l'heure, j'ai pu discuter avec Romain Soulas, à qui on passe un bonjour, qui nous a permis aussi d'organiser ce live. Et Romain m'a indiqué, écoute, la priorité pour nous, c'est la sécurité. Donc, à partir du moment où on sait qu'on peut rouvrir dans des conditions de sécurité, on le fera. Donc, que ça soit le 11 mai ou un peu plus tard, on verra à ce moment-là. Mais il y a aussi, vous avez aussi un autre centre, et là, parce que c'est vraiment, je le dis, parce qu'il y a un commentaire de la part de Steven Dodos qui est basé dans le sud et qui participe souvent à nos lives, qui dit, vous avez qu'à venir aussi à Golf Hub faire le fitting, parce qu'on sait que vous avez aussi un centre de fitting à Golf Hub, qui est un super centre. Moi, j'ai organisé un stage là-bas, donc vraiment, ça, c'est un endroit qui est top. Marion Gigi... C'est un Regional Fitting Center, ouais, qui est une antenne régionale du National Fitting Center de Chantilly. Et effectivement, pareil, il faudrait qu'on puisse leur poser la question sur à quelle date ils vont pouvoir réouvrir le centre dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on espère le plus vite possible. Maintenant, ça dépendra aussi de la sécurité et des golfeurs et des fitters, bien entendu. Martha Piquet qui dit, c'est passionnant et tout aussi important que les clubs. Donc là, je te lis les commentaires parce que je sais que tu peux pas avoir accès, Benoît. Donc je te les lis parce que c'est vraiment une façon pour nous aussi de te remercier à travers la reconnaissance de l'audience qui est là et qui te remercie. Yvan qui dit merci. Guillaume qui dit super idée ce live. Frédéric qui dit, il faudra faire un live Titleist en décrivant chaque type de balle de marque. Donc peut-être qu'on en fera un justement pour décrire chaque, pour rentrer en détail. C'est vrai que là, avec le 1 heure qu'on avait, l'objectif ici, parce que c'est celle-là où, Benoît, où on apprécie faire ces lives ensemble, c'est que l'objectif avant de parler du produit, c'était de parler de l'aspect éducation, de vraiment comprendre l'influence et l'importance de la balle de golf dans la performance des joueurs. Et je te remercie pour ça, parce qu'à chaque fois, c'est la mission, c'est d'éduquer les amateurs. Et un grand merci à Guillaume aussi. Et puis, je vous laisse la parole, messieurs, pour la fin, pour les derniers mots. Non, bien sûr, mais c'est, en 20 secondes, le seul objectif aujourd'hui de ce live, c'était, et dans les commentaires que tu viens de lire, on a la sensation que les gens l'ont compris, c'est de bien comprendre que la balle est extrêmement importante et que je vais être assez cash dans mes propos, mais que ça ne sert à rien d'avoir le dernier driver si c'est pour jouer avec la balle, une balle qui était une balle de récupération, et de dépenser 700 ou 800 euros dans un club magnifique qui, quoi qu'il arrive, sera performant, et vous avez bien fait de le faire, hein, mais et d'aller acheter une balle de récup qui va malheureusement effacer toutes les performances du club. Donc,
j'insiste vraiment sur la balle. Pour moi, je prêche cette idée-là depuis des années et auprès de mes élèves en leur disant ne lésinez pas sur la balle, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre sac, vous la jouez à tous les coups et vous avez besoin d'avoir une balle performante. Donc si les gens ont pu, via ce live, intégrer un petit peu plus, bien évidemment qu'il y en a certains qui l'avaient parfaitement compris, intégrer un peu plus l'importance de la balle, on aura gagné. Il y a une personne qui dit, Philippe, qui dit « Pourquoi Benoît n'a pas une casquette Techless ?» Parce qu'il a une bien meilleure coupe de cheveux que moi, déjà. Guillaume n'a plus de quoi faire. Guillaume et Benoît ont une plus belle coupe de cheveux que moi, donc du coup, je suis... Pourquoi de... Juste derrière, bonne question de par ce que... LOL. Benoît, je te laisse le mot de la fin avant de vous raconter un petit peu le programme des prochains jours sur les lives. Vas-y, Benoît. Je voulais vous remercier tous les deux. Encore une fois, c'était un grand plaisir de faire ce live avec vous deux. J'espère qu'on a réussi à apporter un conseil supplémentaire sur l'éducation de la balle, sur le fitting de la balle à tous nos golfeurs. Guillaume, tu as résumé parfaitement ce que l'on cherchait pendant cette heure de live. Et j'ai envie de finir par encore un petit peu de patience et de courage. On doit s'armer de ça avant qu'on puisse revenir dans quelques semaines, dans quelques jours sur les parcours. Alors demain, on va se retrouver à partir de 11h. D'ailleurs, c'est moi 11h. Je t'ai dit à 5h, 11h, c'est moi. À 11h demain, avec moi, on parlera de préparation mentale. Je vais vous donner des clés pour vous permettre d'améliorer vos performances sur le parcours. Je serai également en compagnie de Carl Morris, qui est le préparateur mental de Lee Westwood, Darren Clark, Louis Oosthuizen, qui a gagné le British Open. Donc vraiment, on va vraiment partager avec des choses avec vous. Super sympa. À 14h, Guillaume, toi, t'es en live. À quelle heure demain? Demain, à 14h, avec Arnaud Verrag, qui est à la fois pro enseignant PGA Pro, qui dirige les équipes au golf de Saint-Nom-la-Bretèche, et aussi qui est consultant depuis maintenant pas mal d'années sur la chaîne Golf Plus, et il va venir nous parler de la routine. On va tous les deux un petit peu vous parler de la routine et de vous expliquer la routine, qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt, qu'est-ce que font les meilleurs joueurs du monde. Et la routine est un élément de la performance extrêmement important. Et on va en parler un peu avec vous demain, préparez vos questions et on va échanger pour vous préparer à faire des bons coups. Génial. Et ensuite, 16h30 sur Instagram, je serai à nouveau en direct. Au bout d'un moment, ils ne vont plus me supporter les gens, mais à 16h30, je serai avec Alexander Levy sur Instagram cette fois-ci. Donc, tu sais quoi, Guillaume, tu m'as donné de l'inspiration là, par rapport au live de demain. J'étais en train de réfléchir aux questions que j'allais poser à Alex tout à l'heure. Et on parlera de la routine d'Alex. Il sera en direct dans son jardin. Donc, après l'intervention de Guillaume et Arnaud, on rentrera en détail sur la routine d'Alex, comment il s'organise, etc. Donc à 16h30 demain sur Instagram. Et à 17h, ce sera au tour de Rémi Bédu qui sera en direct, donc à 17h à nouveau sur Facebook. Donc voilà le programme de demain. Vous avez vu qu'on vous accompagne. Je ne crois pas, excuse-moi de t'interrompre. C'est à qui à 17h? Je crois que demain, jeudi. Ah non, on est mercredi demain. Oh pardon. On est mercredi autant... demain. Il y a quelque chose de très important à 17h. Ouais. Jeudi à 17h. 21h, on fait un Facebook Live en partenariat avec tous les grands acteurs du golf français. Donc il y a Golf Plus, Journal du Golf, la Fédération Française de Golf qui est là. Et ça sera avec Romain Béchu, qui est l'un des meilleurs trickshot artistes au monde, pas en France, mais au monde, et qui sera là. Et en fait, il a un challenge, il va jongler pendant 4 heures de suite. On aura plein d'invités. Ouais, c'est chaud. Donc la première, elle va prendre cher là, pendant 4 heures. Elle va remonter la première. Pendant 4 heures, mais donc du coup, pendant 4 heures, Romain sera en direct et il y aura plein d'invités de 17h à 21h sur la page Facebook du Journal du Golf jeudi. Et tout ça, c'est pour une œuvre caritative. Alors, moi, j'ai reçu l'information tout à l'heure, j'ai reçu l'affiche. Donc, vous trouverez en fait toutes les informations sur quelle association on va aider jeudi soir par rapport à tout ce qui s'est passé avec le coronavirus. Et donc, du coup, voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se rassembler et de proposer un événement où on pouvait justement les aider de la meilleure façon possible. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cet événement jeudi. En faisant des dons. En faisant des dons, absolument. Benoît, merci, un grand, grand merci à toi. Guillaume, merci à vous deux. C'était vraiment top, toujours un super moment de partager un live tous les trois. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de le faire encore une fois. Merci à toutes les personnes qui ont pu participer à ce live. On se retrouve demain dès 11h. Vous avez vu qu'on a un énorme programme qui vous attend et on vous accompagne
vraiment jusqu'à la fin de ce confinement de la meilleure façon possible. Donc rendez-vous dès demain à 11h. Messieurs, bonne soirée et à bientôt.